Oui, je te désire au plus profond de moi. J'ai soif de ta présence. Comble-moi de toi, mon âme te réclame. Viens Jésus en moi, partageons Seigneur les instants les plus forts d'amour. Je veux passer toutes mes nuits à ta recherche, Seigneur. Ton amour brûle en moi. Tu as conquis mon cœur, serre-moi dans tes bras. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh, yeah.
Dites-nous, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Celle qui danse pour nous là, c'est qui? Donc effectivement Zali client travail. Na mbagi na ndeko na dismonso. C'est elle a fait. Elle a subi l'AVC. Elle ne marchait plus. Montre comment Jésus a fait. Même les doigts ne fonctionnaient plus. Oh my God, on s'est arrêté les bossons. Je ne sais même pas écrire avec la main. Asana licence à droit. Mais mis habitué kangamaki. Azoko komate. Elle ne savait même plus écrire, mais maintenant. Sikoyo. Hein? Mis sa personne ingana. Maman nanga. Les doigts refonctionnent. Et ça allait kogumba mate. Les doigts ne se pliaient plus. Jésus est Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Je veux dire ceci. Je glorifie le nom de mon Seigneur Jésus. Mais entre dans ta foi. Je veux dire ceci. Je ne suis pas un aventurier. Ce n'est pas parce que quelqu'un tombe ou pas. Les autres, tels que je te touche, les autres iront faire des diarrhées chez eux. Les autres, après 3 ou 4 jours, vous verrez des choses qui arriveront. Mon Dieu est vivant. Je touche les gens pas pour le plaisir. Mais quand je te touche, la grâce de Dieu vient sur toi. Je dis ceci au nom de Jésus. Toute loi de la famille soit du côté du père ou de la mère ne te rattachera plus du tout. Cela ne te condamnera plus du tout. Toute loi qui t'avait condamné, je suis envoyé par Jésus Christ. Et je dis au nom de Jésus Christ, toute loi qui t'est liée tombe. Je dis que cela tombe. Je le condamne que cela tombe. Il est écrit ainsi. Si on forme un complot contre toi, il tombera sous ton pouvoir. C'est lui qui te touchera. C'est lui qui viendra essayer dans ta vie. Qu'on l'attache au cou. Qu'on l'attache au cou. Et attaché à une pierre. Qu'on le jette à la mer. Dis Jésus Christ. Dis Jésus. Yes, c'est Jésus qui dit cela. Et cela ne partira pas. C'est lui qui touchera ta famille. C'est lui qui touchera tes enfants. Moi, serviteur de Dieu, je te dis. Qu'on l'attache au cou. Qu'on l'attache au cou. Et à la pierre. C'est lui qui s'opposera à cette parole. Qu'on les jette dans la mer. Au nom de Jésus. Qu'il ne ressorte plus. C'est la parole du Seigneur Jésus. C'est la parole du Seigneur Jésus.
Je t'envoie à la prospérité. Je t'envoie à la délivrance. Je te dis que tu ne reçois pas du travail, va postuler. Toi qui cherches le mariage, maquille-toi, vas-y, il y aura des hommes pour toi. Au nom du Seigneur Jésus, je libère la prospérité dans ta vie. J'emmène l'élévation dans ta vie. J'ouvre ton ministère. J'ouvre ton ministère. J'ouvre tes affaires. J'ouvre tes affaires. Je bénis ta maison. Je bénis ton commerce. Je bénis tes enfants. Je bénis ton mariage. Au nom du Seigneur Jésus. Je mets de l'huile sur tes affaires. Sur ta vie. Je mets l'onction sur ta vie. Tu deviens intouchable. Toute arme forgée contre toi. Annulé sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est la parole de l'Éternel. Wana malobana Yahweh. Merci. Demoula mabokona. Lève tes mains. Kamato. Reçois ceci. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Banda na mututi na makona. De la tête aux pieds. Tegatine le mot Jesus. Reçois, reçois. Tegatine le mot Jesus. Tegatine le mot Jesus. Reçois au nom de Jésus. Father in the name of Jesus. Moto, na komona Yesu. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi. Tes les mains. Nani azayi koloka yo? Qui t'envoûtait? Qui t'ensorcelait? Nani azayi koloka yo? Qui t'ensorcelait? Et je lui dis, c'est la dernière fois. Ouch. Il y a pour d'autres femmes, les fibromes vont sortir chez vous à la maison. Jesus. N'aie pas peur, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. La loi de l'esprit de mort a été brisée par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Puissant guerrier, puissant guerrier, dans les combats, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, dans les combats, Jéhovah est son nom. Oh, El Shaddai. Emmanuel est son nom.
Toi qui n'avais rien fait, tu fus crucifié, et tu me donnes accès par ton sang au trône de Dieu. Oh, oh. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Toi qui n'avais rien fait, crucifié, et tu me donnes accès par ton sang au trône de Dieu. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur, Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, oh, oh. Seigneur, je veux t'adorer, je veux te chanter, Seigneur, pour ton amour. Toi qui mourus pour moi sur le bois du calvaire, et tu sauvas mon âme du gouffre de la mort. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur, Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer, je veux te glorifier, Seigneur, pour ton amour. Toi qui mourus pour moi sur le bois du calvaire, et tu sauvas mon âme du gouffre de la mort. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Que puis toi qui m'as tout donné, que puis-je te donner? Toi qui m'as tout donné, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la joie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné l'amour, Seigneur. En toi je trouvais la vie, en toi je trouvais le bonheur, en toi je trouvais la paix, en toi je trouvais la joie. Reçois mes louanges qui montent vers le toit, accepte mon adoration en guise de remerciement. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Qui m'a tout donné, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la joie, tu m'as donné le salut, tu m'as donné le bonheur. En toi je trouvais la vie, en toi je trouvais la paix. Reçois mes louanges qui montent vers l'étoile, accepte mon adoration en guise de remerciement. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur.
Bonjour papa. Bonjour maman. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis frère Nozi, j'habite Paris. Nous voulons juste savoir qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous aujourd'hui particulièrement. Ah, aujourd'hui c'était question de la foi. Nous croyons à un Dieu qui est merveilleux. Vous savez, cette journée, nous, on a quand même attendu ça longtemps. Et aujourd'hui, Dieu est merveilleux, il s'est manifesté fortement et nous croyons certainement que notre Dieu a béni. Et moi, personnellement, je me sens bien. La bénédiction, ce n'est pas seulement physique, la bénédiction est aussi spirituelle. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai bénéficié de beaucoup et je rentrerai rempli de Saint-Esprit et rempli d'abondance de joie de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui nous regardent si prochainement nous avons un événement? Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? J'aimerais conseiller le téléspectateur ou le frère Zusser qui nous regarde que c'est très important de chercher la face de Dieu. Vous savez, nous, serviteurs de Dieu, des fois, nous avons ce cœur de pierre de ne pas croire quand Dieu utilise l'un parmi nous. Vous savez, la Bible nous dit, il est lui-même l'auteur de tous les dons parfaits. S'il a donné les dons à notre frère Silas aujourd'hui et que Dieu s'est tenté de se manifester puissamment, nous devons qu'à suivre. Nous devons qu'à suivre parce que c'est un don de Dieu et nous devons profiter de ça. C'est pour cela que nous étions là aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir maman. Bonsoir. Une petite parole pour ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs? Je veux dire seulement qu'il faut croire au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes venus glorifier son nom et il s'est manifesté. En tout cas, c'était une nuit de miracles, une nuit où nous l'avons adoré vraiment en vérité parce qu'il dit qu'il cherche des vrais adorateurs, ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Vraiment, nous l'avons adoré en esprit et en vérité. Et bientôt, nous aurons des témoignages. Moi-même, je suis un témoignage. Amen. Nous croyons en cela. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, maman. Bonsoir. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, moi, c'est Gisèle Nobana. De Paris. Amen. Voilà. Une petite expression pour ce soir, c'est que le Seigneur a fait particulièrement dans votre vie. Ouh, oh là là, le Seigneur, il est merveilleux. Je prendrai mon temps pour aller jusqu'à Bruxelles parce que je sais que mon témoignage personnel va édifier des millions de personnes. Gisèle Nobana, naba média payo kana ba Mbappé, comme wana Nobana, bandana Kester, ti naba Jamaïta, mais les lots comme ils font comme ils ont Zambé à Bomoi. Et Zambé on a sali à Ebélé, naïaki. Donc il y a quelques jours de cela, je peux dire que j'étais mourante. Parce que j'ai fait, même en début de semaine, là, j'étais encore aux urgences. Bah, examen, c'est pas au salon, on a maladie. Donc, tant qu'on a un qui a un lélo, pourquoi? Disons, tant qu'on a un bébé, on 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 a un machine, on a un bébé. Mais la minute où ils ont sous-souté, le Seigneur est merveilleux. Maintenant, vous pouvez bouger la main? Alléluia, voilà, c'est ça, c'est ça. Là, j'ai l'impression que c'est, on dirait comme si on m'a branché de l'oxygène, quoi. Donc, en fait, mon corps est en train de s'oxygéner ou quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est comme ça. Le pasteur ne m'a pas touché, mais j'ai reçu. Avec ma foi, j'ai reçu. Il est vivant. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qui vous bénisse. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui nous suivent par rapport à la veille d'aujourd'hui et ce que le Seigneur a fait particulièrement dans votre vie? Ce que je veux dire, que c'était bien. Le Saint-Esprit était présent. Bon, le pasteur, il n'avait pas trop le temps pour prier pour tout le monde parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Mais c'était bien. Vous ne croyez pas que la main puissante de Dieu a pu vous toucher sans que le pasteur puisse imposer la main? Bon, oui, c'est vrai, mais moi, personnellement, je suis venue juste pour lui, qu'il me prie pour moi, en fait. C'est tout. Mais franchement, c'était bien. Il y avait beaucoup de délivrances, des miracles. J'ai vu une femme qui ne marche pas, ne marche pas avant. Je ne sais pas, il a prié pour elle. Elle a commencé à courir et tout. Jésus est vivant. Bonsoir mon frère. Bonsoir ma soeur. Pourriez-vous juste vous présenter? Oui, je m'appelle Hakim. Bon, je vis en France, mais je suis d'origine algérienne, kabyle.
Je me suis converti en Christ en 2010, fin 2010. Et j'ai connu Tony Selassie, l'église ADV, par rapport à YouTube en fait. C'est ma femme qui est... et je suis déjà venu une fois à ADV. Peut-être on reviendra la prochaine fois aussi. Je voudrais bien, parce que j'aime bien cette église-là. Il y a vraiment la présence de Dieu dans cette église. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux téléspectateurs qui nous regardent? Un mot d'encouragement? D'encouragement, tous les problèmes qu'on rencontre dans la vie, nous les êtres humains, on ne peut pas les régler à notre façon, avec notre chair. Vraiment, il faut tourner le... Il faut tourner en fait nos regards. Si on veut vraiment un changement dans notre vie, il faut qu'on va vers Jésus. Parce que Jésus est sauf vraiment aujourd'hui. Il est toujours vivant. Ouais. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Au revoir. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, oh, mon âme bénit l'Éternel. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus.